Coucou mes beautés, ça me fait tout bizarre de filmer ici dans mon petit atelier. Bon, alors écoutez, je vais bientôt à la gym, mais j'avais quand même un petit temps devant moi pour vous faire un petit tuto. Alors, je vais vous tourner, je vais vous montrer quand même avant ce qu'on va faire, une petite fleur, toute simple. Mais alors vraiment, ce qu'il y a de plus simple, mais je dirais qui fait son petit effet sur une petite créa ou autre. Hein. Donc, je vais ici vous mettre. Hop, hop, hop. Ça, c'est pas le même pied que j'ai dans mon petit coin scrap. Mais ça va le faire. Attendez, je vais me reculer un petit peu. Je vais mettre comme ça. Et voilà. Et je vais. Excusez-moi. Je vais baisser comme ça. Voilà. Ben c'est bien comme ça. Alors, voyez, je vous la remontre. Hein. Voilà, une petite fleur toute simple. Alors, pour le matériel, on va prendre du tissu. Hein, ça peut être une petite chute. Une paire de ciseaux. Alors, ici, moi, je vais donc former le centre. Il fait 5,5. 5,5 de diamètre. Voilà. Alors, je vais prendre ici, parce que j'ai un petit crayon qui se promène. Voilà, celui-ci, ça va. Alors, voyez, donc je vais mettre déjà pour tracer au crayon de bois. Je vais mettre et aussi des petites perles. Hein. Alors, ici, vous voyez, je vais prendre mon tissu, je l'ai mis à l'envers. On va tracer à l'envers, comme ça, on ne verra pas le crayon. Hein. Alors, donc je vais prendre ça. Après, on peut prendre un dies, hein, pour former notre cercle ou autre. Hein. Regardez, moi, c'est une espèce de bobine. Hein. Voilà. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Je sais pas, on essaiera de faire, comment, une petite créa avec la petite, fleur. Bon, maintenant, voyez, j'ai formé mon cercle. Donc maintenant, je vais découper tout autour. Alors, ce soir, c'est la gym. Bon. Aujourd'hui, on est mardi, mais je ne vais pas mettre ma vidéo aujourd'hui. Donc, vous savez que le mardi, c'est le rock, hein, la gym, mais le rock. Donc, après, il faut que j'aille me changer. Je ne vous dis même pas. Ça va être génial. Ça va être génial. Voilà. Donc, allez, j'ai mon petit cercle de tissu. Bon, ça, je vais laisser. Je vous montrerai. Alors, voilà. Donc, on a notre petit cercle. Vous voyez? Bon. Maintenant, je vais prendre. Il est pâle le tissu. Hein, donc, voilà. L'endroit. Voilà. Alors, maintenant, vous voyez? Hop. Je vais venir le plier en deux. Voilà. On le met bien bord à bord. Hein, voilà. Je vais revenir encore plier encore une fois. Pareil. Vous voyez? On le met bien ici sur le bord. Hein, voilà. Ça nous donne ceci. Et je vais replier encore une fois. Vous voyez? On est là. Alors, la pointe, on n'y touche pas. Hein? Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement. Bon, vous voyez, j'aplatis. Hein? Voilà. On va venir ici, la découper. Ici. On va faire un joli arrondi. Maintenant, vous pouvez, si vous souhaitez, prendre votre crayon et ici faire un arrondi. Vous voyez? Bon, moi, je vais le faire sans, comment? Sans tracer. Alors ici, vous voyez, hop, je vais faire bien un arrondi. Voilà. Et voilà. Encore un petit peu. Vous voyez? Attendez, je vous montre. Hein. Là, je fais parce que. Hop. Voyez, regardez.
ici, attends, il est où mon pic-pic? Voilà. Ici, vous voyez, hop, je suis bien ici sur les coins. J'ai bien formé ici un arrondi et ici pareil, hein, un petit arrondi. Voilà. Alors, je pense que là c'est bien. Après, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, on a notre petite fleur. Et si par exemple, on juge, on se dit, oh tiens, j'aurais préféré ici que ce soit un petit peu plus arrondi. Rien ne nous empêche de recommencer. On remet bien les pétales comme ça. Hein? Voilà, on reforme bien. Hein? Voilà, on reforme bien. Là. Voilà. Attends, je vais faire de l'autre côté. Ça sera mieux. Voilà. On reforme. Voilà. Et on peut arrondir à nouveau légèrement. Hein, parce qu'après, ça ne va pas faire joli. Hein. Vous voyez? Voilà. Moi, je préfère y aller toujours en douceur, on va dire. Hein, parce que pas trop couper. S'il faut, on peut toujours rectifier après. Mais quand on coupe trop vite, après... Voilà, vous voyez, hop, on reforme ici les petits arrondis sur les deux côtés comme ça. Hein? Voilà, on ouvre notre petite fleur et voilà, on a une petite fleur toute simple. Voilà, alors, c'est ici. Je vais prendre, donc, ici, j'ai pas de... Oh, c'est pas grave, mais... Non, non, j'ai pas mon petit... Non, c'est pas grave, on va faire comme ça. Allez, on va en mettre une petite, on va en mettre une rose. Oh, quoique, ouais. Bon, après, sur le tissu, parfois, il vaut mieux mettre un petit point de colle chaude, voyez, ici, pour que ça tienne mieux. Hein. Voyez, des petites fleurs. Voilà. Alors, bien sûr, hein, je veux dire, on peut en faire plusieurs, on n'aura jamais. Évidemment, le même, comment dire, le même rendu à chaque fois, hein, c'est normal. Hein. Mais voyez. Alors maintenant, si vous souhaitez des petites fleurs beaucoup plus petites, bon, il suffit de faire un cercle. Moi, j'ai fait 5,5. Hein. Ici, j'ai pris la mesure, ça fait 5,5. Si vous voulez faire des petites fleurs beaucoup plus petites, bah, vous faites 4,5. Voyez. 4, voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Après, c'est en fonction de ce que... de ce que vous aimez. Bon, je vous reprends quand même. Hop là. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Je vous reprends. Je vous reprends. Hop, j'ai pas fait tomber. Oh bah, ben heureusement. Heureusement. Donc, voyez, je vais... ce genre de petite créole, là, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est... bah, c'est tout, c'est vraiment basique, basique. Mais on peut les mettre sur des petites choses bien sympas. On essaiera de les utiliser, de faire un petit truc avec prochainement. Hein. Donc, voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Moi, je vais aller me préparer tout de suite pour aller à la gym. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais des énormes gros bisous.